suivre la présentation. Ça. Jameson, est-ce qu'on là? Yes, yes. Et Maran, si vous êtes mon femme, Wallace. Hello, mon femme, and you look good. Ben, super. Thank you for this presentation. Super, good. Merci encore une fois pour la présentation. Encore bon moyen. C'est au fait job là bien. Félicitations. Et c'est un plaisir encore pour moi et pour moi encore. Et j'aime te dire, nous avons déjà collaboré sur plusieurs projets que nous avons déjà au Cap. Donc là maintenant, et nous recollaborons encore dans l'autre projet encore, côté que nous allons parler de photographie, métier à tout ça, et présenter qui j'aime vraiment. On peut entrer dans la photographie, on peut créer comme si des cas d'activité ensemble avec ça que la faire, dans le sens que ou toujours on va avoir côté pour public temps et que public temps qu'a apprécié de soi faire. Donc je dis à moi avec Mario Cap, malheureusement pas gain Mario Cap chez moi, bien que ma mon cap, mais me semble comme si me naturaliser au cap. OK, so super. Donc, encore une fois, c'est un plaisir pour me lancer avec nous et nous allons parler de photographie. Donc, vas-y, Angie. Non, ma vie. Pas mal je vais commencer avec la présentation. Je vais retirer tête dans l'écran. Pas de problème. Donc, encore une fois, salut nous. Nous avec Jameson Termetius et moi, je suis un photographe. Et j'aime toujours dire, moi, je suis un photographe, moi, spécialisé plutôt dans fashion et dans retouching et puis commercial, moi je suis un photographe de mariage aussi. Donc je dis à la jeune fille, on va parler de photographie, on va parler de passion, on va parler de profession qui j'aime pour faire pour entrer dans le métier ça que dit les 5 ou 6 dernières années qui viennent pour un vol important dans le business en Haïti. Donc on va aller essayer aider les jeunes qui gagnent appréhension pour devenir photographe. Qui j'aime peut-être qu'il a fait ça et qui j'aime qu'il a aidé moi-même dans ce ça. Donc, sans plus tarder, la partie ensemble avec présentation qui c'est la photographie, passion et profession. Et j'en dis déjà, quel que soit le travail qu'on a fait, il est déjà devenu une passion pour vous et après, il va devenir une profession pour vous. Et vous êtes toujours passionné de un bagage, vous ne pouvez pas devenir une profession, mais comme ça, tout, il y a une passion et profession, ça veut dire que vous faites pas ensemble avec lui. Donc, et voilà, on va aller bien rapidement. Et ça, c'est présentation. On m'a juste parlé de peut-être, et début au moins la photographie, et puis qui est-ce qu'on y est, ça me fait, qui j'aime bien apprendre photographie, etc. Donc, moi, c'est un photographe déjà qui spécialise dans le touching et fashion, ça veut dire mode, et commercial, mariage. Donc, je me songe que ça fait me déranger dans la photographie, bien sûr, moi, pas comme si j'aime définir l'école, décider de apprendre photographie. Mais il y a un frère Ruben Servetus qui était en caméra là ça et même j'étais plus dans vidéographie etc. et puis il y a m'a sorti avec on ancien ménage et puis il me dit ah prends une caméra là va faire 2-3 photos pour demoiselle là-bas ça oh. Et puis monsieur dit pas un problème juste mettre le automatique et puis la gué et puis vraiment prend caméra m'a sorti m'a fait photo ensemble avec lui et puis bon caméra venir là encore mettre là ça pas dit mais toujours. Et puis, mon grand ami qui t'a participé dans le concours, et puis, mon grand ami qui compte ami, hein, qu'on a dit, ça, est-ce que y a possibilité peut-être pour t'a, à faire photo pour monsieur dans le concours, et puis, comme monsieur te connaît la caméra, t'es la calme, m'a connaît de lui, m'a pas la femme encore, femme n'a dit, mettez-le sous ça, mettez-le sous ça, mettez-le sous ça, et puis, la gué. Et puis, m'a dit, pas caméra vraiment, maintenant, il va être là. Et puis, je commence à faire photo, ma vie pour feeling, etc. Donc, c'est là que je me suis dit avant de commencer, dans le sens et qui fait que je devenir photographe. Donc, je ne suis pas allé dans l'école de photographie, malheureusement. Et moi, je suis en pile séminaire. Et ça fait me dire malheureusement, ma vie n'est plus devant avec ça. Et moi, je suis en pile séminaire au niveau de la photographie, soit en Haïti, soit à l'étranger, soit et online. Et YouTube est de ma pile, et grand pile mentor qui est de mon signe, dans le sens pour moi, améliorer le travail que m'a fait à de jour en jour. Donc, c'est ça qui permet de moi rentrer dans le métier, hein, tout ça. Donc, spécialité, j'en dis déjà, moi, spécialisé dans mode, moi, dans commercial, et moi, dans mariage. Et aussi, moi, spécialisé dans retouching. Ça veut dire que moi, vraiment, assurer que les ma production photo et tout détail que j'ai besoin qui paraît en photo à lui représenter tout et ça que moi-même moi senti dans photo. Donc ouais, c'est ça au niveau de la spécialité. Et puis bon, en rencontrant photographe, moi rencontre un pile gros photographe et qui bam de belles idées, qui bam de bons conseils et qui toujours moi toujours en commun ensemble avec eux pour nous parler de photographie
Et c'est important dans le business quoi faire pour que vous rentrez ou rencontrez avec l'autre monde qui pourrait donc avancer dans sa quoi faire. Donc, sans plus tarder, nous allons plus tard avancer. Et les compétences requises pour exercer le métier de photographe pour. J'aime dire déjà, ou qu'a toujours un photographe, ou qu'a toujours un photographe amateur et qui peut être bon caméra ou juste peut-être et a fait de superbes photos qu'on remet et puis ou pas besoin comme profession ou qu'a peut-être c'est un architecte ou qu'a peut-être c'est un avocat ou un médecin, bon, bon caméra pour faire une photo, pour faire deux, trois photos. Donc, ou remet ça, c'est passion, c'est l'organe temps libre à le faire, donc c'est parfait. Et, mais il y a l'autre monde tout qui voulait que, et passion ça, il est devenu un métier, côté que l'a fait commencer avec lui. Il est rentable pour lui, il y a l'autre monde qui, peut-être famille n'a pas survécu de lui. Donc, il est important pour que vous mettez des barrières, vous mettez des principes, des règles dans sa coiffure pour que vous assurez au moins que le métier coiffure est rentable et que vous pouvez vivre ensemble avec lui. Premier bagage que nous avons parlé, nous avons quatre bagages que nous mettons là, qui nous avons dit, qui étaient bons, sous besoin de devenir un photographe professionnel, ok? Pour qui ça me dit professionnel toujours, c'est parce que, ou qu'a toujours un photographe qui est passionné, non pas professionnel, parce que professionnel là, c'est faire le métier, ou faire, faut que métier ça, faire, faire comme. Nous avons être créatif et inventif, qui veut dire, et nous allons développer le devant, qui s'allie, nous avons maîtriser les techniques photographiques, OK, parce que vous êtes toujours un passionné, mais là, entrer dans la photographie, là, entrer dans la profession, ça veut dire que faut que vous maîtrisez toute technique pour que vous assurez que l'offre un job, vous payez pour le job là et que le client est satisfait de sa quoi balia. Avoir le sens de l'observation et être à l'écoute, c'est important en pile. Et puis, nous gagnons avoir un bon sens relationnel et la fibre commerciale. Nous allons développer le thème ça et au fur et à mesure, nous allons avancer. Très bien. Donc là, être créatif et inventif, c'est quoi? Pour créatif, alors c'est deux bagages que y a demandé qu'on y a dans le métier que l'a fait là, c'est faut qu'on créatif. Pour qui ça? Parce que nous y a des milliers de photographes et m'a parlé de Haïti seulement, bien sûr, et dans le monde là, qui a exercé ce métier ça. Donc en pile fois, et sujet vous faites déjà, bah, vous faites déjà comme si vous pas parler réinventer là-haut, mais quand même. Dans ça qui peut être fait déjà, ou qu'a juste ajouté, et t'es qu'a dit, tu touches pour là, qui pourrait le prendre, que, soit fait à photo, quoi faire, elle est différente par rapport à l'autre monde qui fait presque même style là, ensemble avec vous. Donc, dans le métier, ça, pour que vous avancez, pour que vous excellez là-dedans, dans quel que soit le pays, il faut que vous assurez que vous êtes créatif et ou inventif. Et ensuite, pour assurer que métier, ça, profession, ça, qui c'est photographie, là, pour avancer ensemble avec lui, faut qu'on assure que ou fait différence là en concurrence. En concurrence, c'est qui ça? C'est, là, me dit concurrence, c'est challenge que lié pour moi avec un autre photographe qui peut être soit en Haïti, soit à l'étranger, que on assure que, OK, photographe, ça fait tel bagage, eh ben, moi, il m'a fait tel bagage. Parce que c'est business lié, son profession que lié, donc faut qu'il rentable pour moi. Donc, je ne suis pas obligé d'aller dans la même ligne ensemble avec photographe, ça. Moi-même, cacher chez propre ligne PAM pour m'avancer là-dedans. Donc, faut assurer que, ou, différenciaux de concurrence, ou différenciaux de toute autre photographe qui vient en Haïti, pour assurer pour un bagage nouveau, et là, quoi, besoin, point, au besoin. Ensuite, nous gagnons se renouveler, ça veut dire que c'est pas chita là, faire photo, faire photo, faire photo, mais faut qu'on fasse un bac, ou garder pour, est-ce que ça m'a fait, et mettre continuer à donner, ou bien est-ce que mettre font-ils changer, comme si allons l'autre style, ou bien retouchons l'autre genre, et utiliser l'humour en l'autre genre, et cherchons l'autre expression dans mes modèles là ou bien dans mes sujets qu'on va faire photo là. Donc ça est important pour que vous renouvelez à chaque moment parce que 5 ans de cela où tu es un photographe 5 ans après ou supposé un autre photographe c'est très important pour que vous avancez dans le métier qu'on va faire sortir de cette battue ça veut dire et par côtoyer et déplacer à l'OCAP aller Jérémy à Jacmel à Gatsagien à Saint-Domingue. La photographie à son métier qui mondial, qu'on a n'importe quel côté ensemble avec lui, des pour une caméra dans le monde. Donc, on a grand pile bagaille qu'on a exploité, ou grand pile possibilité ensemble avec caméra pour que, ou porter un autre bagaille dans le métier. Donc, par le côté, déplacer à l'autre côté. Ensuite, maîtriser les techniques photographiques. On va faire un métier, on va maîtriser les techniques. Elle me dit maîtriser les techniques, ça veut dire, et, assure que ou qu'on caméra bien, assure que lumière ça ou qu'on tige pour mettre, assure que et t'es qu'à dire quel que soit son bien ordinateur qui j'ai pour maîtriser le flash là qui j'ai pour maîtriser le. Donc ou l'important pour qu'on ait toute technique photographique pour que vous avancez dans le métier. Pas oublier
yo paye yo pour faire un job, donc faut assurer que le job vous fait est bon et que le client est content. Maintenant, connaître et maîtriser les techniques, c'est maîtriser appareil ou j'aime ça dire tout à l'heure, ou maîtriser éclairage ou j'aime ça dire tout à l'heure. Il y a plusieurs workshops qui ont calé côté que vous avez des workshops qui peut-être là seulement sur éclairage. Je fais plusieurs déjà, Hugues fait déjà, Ed fait déjà, etc. Des plusieurs workshops que l'autre monde fait. Donc, assurez-vous que vous spécialisez. Par exemple, ce sont photographies journalistiques. Allez non workshop qui est là pour photographie journalistique. Parle non workshop portrait parce que c'est pas ça qui t'intéresse, c'est pas ça qui fait l'humour. Assurez-vous que vous choisissez et type de métier que vous voulez. Ensuite, nous avons posio, etc. Donc, pas quelques bagages qu'on suppose maîtriser. Donc, là, mettez trois cours seulement. Donc, dans pile l'autre paramètre qu'on suppose maîtriser pour faire métier, ça a devenu en profession. Donc, c'est important pour que, et, ou maîtriser quelque chose. Qui tout est médecin, qui tout est avocat. Donc, faut maîtriser, soit c'est avocat, faut maîtriser le loyer, faut qu'on ait qui vient pour contourner tel bagage, puis ou gagner et posséa. Donc, assure-toi qu'on technique. Et avoir le sens de l'observation, c'est très important. Et parce que le photographe, c'est avec yeux qu'on voit. Et ça veut dire que, ou non, machine n'a pas son côté, yeux rapidement, ou vie, regarde un bagage, il faut qu'on rapidement détecter. Et est-ce que l'âme a fait un bagage? Ça me fait là. Okay? Ça veut dire qu'il faut que rapidement, faut travailler l'esprit pour que lui détecte des détails, des techniques qu'on a, bagage qu'on voit, pendant qu'on a une machine, pendant qu'on a une machine, on dit, waouh, on a fait un bagage là. Donc, assurez-vous que vous avez un sens ça qui développe la carrière. Et aimer la photographie, c'est aimer belle chose, bien sûr. Donc, et apprécier la beauté du monde. Et nous avons plusieurs bah, encore magnifiques paysages, de beaux bâtiments, des thèmes atypiques ou de jolies demoiselles. Ça dit que faut qu'on assure que quel que soit côté, il y a ou joigne un point qui est assez important, ou bien joli, ou bien attirant pour que vous fassiez un bagage là. Lorsqu'il y a un espace où on fait un shoot ou puis on peut le faire, quelque chose qu'on peut faire, il faut qu'on contourne l'espace là d'abord. Virer dans l'espace là, passer dans le corridor, tomber dans la galerie, rentrer dans la chambre, là, descendre dans le salon, chita sous l'escalier pour est-ce qu'il y a un bagage qu'on peut exploiter dans l'espace ça. Est-ce qu'il y a un autre bagage? Par exemple, il y a plusieurs photographes qui doivent faire photo et pas canne à sucre. Okay? Il y a plein de monde qui fait photo pas canne à sucre. Mais lorsqu'il n'y a pas canne à sucre, faut essayer pas utiliser le même espace que l'autre photographe a utilisé. Ou qu'à qu'on même assure que ou utilisons l'autre espace, ou utilisons l'autre côté, ou bien mieux ça, ou pas jamais personne utiliser le, bon même ou essayer utiliser le. Et position ça, personne va jamais utiliser le ou essayer pour utiliser le parce que et c'est là que vous pourrez gagner valeur ajoutée sur le travail qu'on va faire. Nous gagnons avoir le sens du rationnel. Quel que soit, ou si on photographe, quel que soit photographe qu'on a. OK, là, je me dis quelque chose photographe là. Ça veut dire ou sont photographe salarié, ou sont photographe prestataire, ou sont photographe indépendant ou bien ou sont photographe d'art, ou sont photographe fashion mode, quel que soit type de photographe. Bon bah qui est très important et ça a qu'un bill. Et nous mettre prédit présentation de mettre fini. Mais ça vous supposez qu'un bill. Savoir communiquer est primordial. Très important. Quel que soit le type de photographe qu'on est, il faut apprendre à communiquer avec le monde. Il faut apprendre patient. Il faut rendre disponible. Il faut qu'on ouvert d'esprit. Il faut qu'on assure que vous comprenez le monde dans le monde n'a pas ensemble avec vous. Il faut attendre le monde pour que vous exerciez un petit peu ça le jour. Donc, assure que vous comptez communiquer. Vous avez un gros sens, vous avez dit, ah, mais ça. Ce n'est pas le moment pour faire gros sens avec mon pour altercation ensemble avec le client. Donc, il faut qu'on parle ensemble avec lui. Client contacte pour faire un shoot, parle avec le client d'abord, expliquer qui ça, de quoi il en est, soit pour le faire, qui ça lié. L'important pour que vous exprimez ou parlez avec le client. Donc, ça, présentation, mettre fini, mais ça, vous supposez qu'un mille, pas jamais oublié. Très bien. Maintenant, nous entrons dans le business plan pour un photographe, rapidement. Nous pas le parler, pas oublier, nous dit photographie son passion. Donc, pour les son passion, quel que soit business et quel que soit business quoi faire, il faut qu'on ait un business plan. Photographie, c'est même avec tout notre business, toute notre profession qu'on connaît. Donc, il faut qu'on ait un business plan que vous apprenez dans le métier, mais qui vous apprenez pour le faire, pour les gagner. Donc, le point ça, c'est le même point qui gagne pour toute création de business plan.
qui aura fait pour quel que soit le business qu'on gagne. Donc, énoncez de votre vision, vue globale de l'activité. Ça veut dire, regardez photographie à qui ça aille. Est-ce qu'on doit rentrer là-dedans? Est-ce qu'on pas doit rentrer là-dedans? Description du problème. Pour qu'il soit apporté là-dedans et qui problème qu'on veut résoudre. Qui soit ouais que métier a manqué et que même leur arrivée ou pas le font changement là-dedans. Analyse de la concurrence. L'autre photographe qui l'a eu, challenging yo, qui bokoto yo. Est-ce que vous gagnez l'autre bagaille qu'on capote en plus? OK? Listen, abdi client pour tout le monde. Ce n'est pas que là, on va rentrer dans le métier ou pas le caser ça, ou pas le caser. Non, pas bien ça. Il y a un client pour tout le monde. Il y a un client pour tout photographe. Pas bien manquer de client. Et photographe, ça, qui te gagne un client, ça, il a toujours été client depuis pas grand qu'il y a un changement au niveau communication qui change. Photographe, ça, qui te gagne un client, ça, il a toujours été client pâle. Ou même, on gagne un client pas ou qu'on va le faire. Donc, tout le monde a bien client pâle. Comment votre solution se démarque? Études de marché, stratégie de marketing, disposition opérationnelle, équipe et partenaires stratégiques, projection financière sur 3 ans. Donc, ça, c'est des points communs que tout business plan doit gagner pour monter un business. Ça veut dire, vous pouvez faire même bagaille pour tout votre business qui gagne dans le métier. C'est même bagaille, vous pas gagner changer. Donc, vous pouvez regarder pour être dans disposition opérationnelle qui sont de fait. Est-ce qu'il y a un photographe qui est en province à faire le bagaille? Donc, vous même, vous pas prêt de Port-au-Prince ou à la province. Okay? Donc, c'est là que vous pouvez différencier de tout autre monde qui est là et que vous pouvez faire comme dans le métier ça. Très bien. Ça, important. Pour qui ça me dit l'important? Nous avons deux travails. Travail sexy et travail qui paye. Dans le travail sexy, nous joignons, ou on a dit le travail sexy, ça veut dire que vous choisissez le modèle que vous voulez, vous choisissez le décor que vous voulez, vous choisissez l'ambiance que vous voulez, vous choisissez, ça veut dire, vous avez libre cours à créativité. Ou bien libre cours à quelque chose que vous voulez faire. Donc là, travail la belle, le sexy, bon, tout petit bail. OK? Donc, ou bien toute possibilité pour créer quelque chose que vous voulez. OK? Maintenant, il y a travail qui paye. Pour qui ça me dit travail qui paye? Son travail qui est plus rébarbatif. Son travail qui est beaucoup moins créatif. Son travail qui est moins sexy, bien sûr. Et son travail qui a permis de vivre. Qui ça me dit pas là? OK, doit son photographe. Mais il travaille pour qui pral permet de faire comme là, ou même bien poster le même. Parce que son event, il fait un côté, et puis on peut avoir 1000 dollars, 2000 dollars. C'est ce que travail sexy, qui te choisi de belles modèles, de belles bagues, etc. OK, ça, ou va être rentable. Donc, faut assurer que, et c'est pas que, ah, m'apprêter là, soit travail sexy, libre comme, mettez la donne. OK? Mais, là que, yo paye pour un travail, quel que soit le bon pour un travail, il n'est pas facile. Je me dis facile, il n'est pas on me dit on ne paraît pas, pas, pas. Depuis que tu es payé pour faire un travail, il n'est pas facile. Ou pas juste monter sur les conseils pour faire. Donc, dans deux bagages, ça, il faut assurer que il y a des jobs pour prendre. Job ça, son vieux bois, maintenant, puis son vieux chemise, ou fourré sous, ou aller gérer, mais bien loin, ok, ou aller faire photo, et on peut un bel corps pour la carrière, madame, mon petit, ou quel que soit mon gagnant, il est content. Ensuite, nous gagnons changer de perspective et opter pour un business model. Ça veut dire que, ou après, tu es dans le business là, ou bien, où tu es dans le business là déjà, faut faire un bac pour est-ce que ça m'a fait, il est bon? Est-ce que ça m'a fait, il est rentable vrai? Est-ce que madame, moi, petite, moi, ou bien, quel que soit le monde qui, que, ou aider, ou bien, peut-être pas encore, est-ce que ça m'a fait, malaise la donne? Est-ce que manger vraiment la donne? Son business lié. Donc, il faut qu'il y ait un table pour, pas qu'il perde tout le temps ça, comme je suis sorti, et puis il m'a rentré, et puis madame m'a demandé, on peut rentrer dans le cas là, ça passe là, tout ça, sorti comme ça là. Hein? Donc, il faut qu'il y ait un table pour. So, changer de perspective et business model, innover, tenter des choses, réinventer votre métier, etc. Donc, ou qu'à inventer un bagage dans le business là, que tout l'autre photographe qui va le venir, c'est lui qui va le faire. Tout le monde pas connaît, nous pas connaît tout bagaille. Donc, cassez vous-même, qui peut entrer dans le business, ou bien qui est dans le business déjà, après séminaire, ça, après cours, ça, décalé présentation, ça, ok? Ou pas le rebalancer bagaille, et vous dire, ok, moi, je fais l'autre chemin, moi, je fais l'autre bagaille, et que c'est vous-même qu'on a qui vient gagner un business model que tout votre photographe qu'on a là, a choisi pour suivre. Très important. Élargissez votre zone de chalandise. Grâce à
21e siècle là, avec l'Internet, bien sûr, nous avons pile possibilités, nous avons pile bagages que nous avons réalisés sans que nous soyons obligés de déplacer, sans que nous soyons obligés, comme si c'est États-Unis pour aller pour faire un bagage, on pas obligé de déplacer à l'États-Unis pour faire. On pas obligé à aller demain pour faire, on pas obligé à aller en Chine pour faire, ou qu'à juste utiliser Internet là pour faire. Donc, profitez du monde virtuel là. Mais là, l'année passée, nous avons fait un forum là, au Cap, physiquement, que tout le monde est là. Je dis à, mais n'a fait virtuellement, côté que grand pile monde qui pas de possibilité peut-être à l'OCAP, après là, je dis à. Donc, utiliser monde virtuel là pour élargir zone de qu'a dit marché ou là, pour que ou vendre monde, service soit beaucoup plus. OK? Et trouver le client là où il se trouve. Et, client, c'est domaine, les contacts ou prendre un ticket, ou c'est domaine, ou travail. Ou pas obligé, c'est sous place pour y aller, c'est domaine, pour que client contacte ou pour faire un travail pour lui. Donc, c'est travail quoi faire, importance quoi travail ou qualité travail quoi bah là, qui fait client, pas pour un photographe qui n'a même vu dans sa mavelle là, mais pour un photographe qui est bien loin. Donc, assure-toi que ou utiliser le monde virtuel là, Internet là, pour que ou pour ton bagage de nouveau. Ou qu'à vendre l'image sur quelque chose si vous voulez. Donc, et ma première plateforme là, qui a permis que un pile photographe ou bien pour moi tout, et vendre photo non commercial, ça veut dire grand pile grande entreprise, petite entreprise qui a un problème pour que yo utiliser des photos commerciales. Dans qui sens c'est une demoiselle qui est content et c'est vrai grand pile l'autre et plateforme qui gagne photo ça yo, mais et avantage que peut-être entreprise ça bien c'est parce que c'est des monde qui a représenté nous vraiment que lié, ça veut dire des blagues que à pied et c'est environnement vraiment que n'a pas en photo yo. Donc là maintenant on pense que petite entreprise avec grande entreprise, par exemple, plus de possibilités qu'on a là pour utiliser Photoshop que nous voyons. Devenez un expert. L'important, dans ça qu'on va faire pour que vous deveniez un expert, quel que soit le métier qu'on gagne. Vous êtes peut-être un médecin et vous dites, bon, je vais spécialiser moins dans l'odontologie, ok? Ou son avocat, ou pas spécialisé, ou un juriste, ou c'est un, on est quelque chose à métier, et puis bon, pour spécialiser là-dedans. Pour qui ça? Parce que les gens ont checké, ou lit, écrit, ou lit, qu'on exactement, c'est pour ça que les vins coteaux. Elle me dit vins coteaux. On dit, par exemple, si on photographe qui gagne, et il fait photo sport, il fait photo mariage, il fait photo mode, il fait photo animal, etc. Il poste toutes photos ça sur Instagram ni et que client qu'on y a les mêmes il venait pour mariage. Les clients venaient pour mariage, il dit ouais, photo animal, photo sport, photo et manifestation, un paquet de bagages donc il finit perdu dans sa quoi faire. Misquette. Il pense que dans une dans sa que j'ai fait il y a plusieurs là-dedans qui doivent parler pas connaît vraiment parce que là spécialisé en position ou compte tout si au coin que ça a fait à gagner ou que ou vignon expert la donne ou vignon yon te ka di yon figure incontournable pour que hey quel que soit moun sa moun a fait n'est pas capable besoin parce que ou sont experts ou connaissent très bien ça faire donc assure que ou spécialise dans quelque soit type de photographie ou quand photographe de mariage ou quand photographe de mode ou quand photographe commercial ou quand photographe de sport ou quand et puis bon en tant qu'expert, vous serez plus crédible auprès de vos clients, justement. Parce que là, maintenant, on en connaît exactement, c'est pour ça le checko et on a un bon résultat. Si vous avez besoin de fonds, vous avez besoin de l'autre monde d'avoir l'idée pour faire qu'à l'autre. Après, il est un ingénieur pour faire qu'à l'autre, normalement. Il y a un ingénieur qui peut être spécialisé dans l'autre bagage, mais on a pris l'ingénieur pour faire exactement son besoin. Second problème dedans, on va aller dans l'autre monde, un pédiatre pour gérer, donc, pour après l'un dentiste. Pour gérer vous. T'es déjà placé. Ah, je vais gérer dans vous, oui. Non. On va jouer un spécialiste là. Pour faire travailler là vous. Très important. Assurez-vous que vous êtes expert dans quelque chose à faire. Croyez en vous. Croyez en tête tout. Croyez en tête tout. Croyez que vous contactez vous pour juste au Cap, Jérémy, pour faire un travail, prendre matériel ou maintenant valise ou déplacer à faire travailler là. Il est important pourquoi dans tête ou. Comment faire ça ou pas quoi dans tête ou? Comment vous voulez que les clients dans tête ou? Dans où? Hein? Donc, il faut quoi ça ou quoi dans tête ou? Pour avancer dans le métier. Ne vous bradez pas. Ça m'a dit ça, là, en deuxième bail que je me dis.
et la présentation. Premier bar là, c'était savoir communiquer est primordial. Deuxième bar là, c'est souvenez-vous, travailler gratuitement ou à votre tarif normal, mais jamais à bon marché. Je vous dis encore, travailler gratuitement ou à votre tarif normal, mais jamais à bon marché. Deux bagages pour Kimbella. Là. Savoir communiquer est primordial. Travailler, soit travailler gratuitement pour client connaît que, ah, ok, c'était gratuitement qu'il travaille pour moi, il pas de fonds en réduction, ben moi, il pas de ben mon prix, on travaille pas pour coûter. Ou bien, ou dit client, c'est 500 dollars, ça coûtait, la coûter 500 dollars. Ou qu'a peut-être fait 450, pas un problème, mais au moins, ou était en 450, 500. Ou pas parler de descendre dans 200 dollars. Parce que, si on connaît, client demande au fond travail et que 500 dollars ou m'a des clients 500 dollars et que client dit 200 dollars ou qu'on est très bien que 200 dollars pas suffit pour faire travail là pas fait parce que là maintenant les on va voyez les balles a passé mal c'est encore la tourner ni pas songer que le débord 200 dollars non pour parce que travail là pas de bon très important. Si on travaille gratuitement pour le client, vous dites, bon, écoute, et m'a fait gratuitement pour cette fois. Ou bien on dit, non, ça coûte 500 dollars, that's it. 450, ok, n'a pas avancé. Mais, on va le faire pour 200 dollars, tandis que c'est 450 qui vaut travail qu'on va faire, pas fait. Malheur est pour la pied. Votre offre de service doit justifier vos tarifs. Ou alors, demander un travail qui peut-être a coûté 500 dollars ou a coûté 5000 dollars. OK? Et si vous avez un problème qui passe, le client, ouais, que, hey, vous faites parce que n'importe 50% sur lui, etc. Donc, et même, j'ai un tournant même dans l'autre sens là, ça veut dire que, et travail a coûté 500 dollars et pour prendre 100 dollars dans mes clients. Donc, il va faire aucun sens. À combien une heure de travail est-elle rentable? Elle me dit ça, ça veut dire, faut assurer que, dans le business qu'on va faire, une heure de travail peut-être à égal à 50 dollars ou à 100 dollars. Faut qu'on calcule que, OK, une heure de travail m'a fait tant d'efforts, m'a fait tant de shots, etc. Mais combien que une heure de travail m'a vaut. Et là, maintenant, les clients contactent, vous faites le travail, ils ont 3 heures de temps. Et bon, si une heure de travail égale à 100 dollars, ou dis-toi 100 dollars. Ou pas le faire dans la tête, ou, qui va faire? Quel côté? Bah, 200 dollars, non. Non. C'est, faut calculer prix qu'on va bailler sur une base même, et que là, on connaît que prix, on peut pas changer par rapport à tel client. Bien sûr. Car toujours ça la donne, ok? Bien sûr, ça toujours la donne que, et très bien, en seconde. Ok. Très bien. Ça toujours la donne que et un client, par exemple, des cas dit, on l'autre client, on l'autre business qui vient beaucoup qui m'a pour faire travail et mon web business ça très bien, pas qu'à payer pour y aller dans le sens. Mais ou bien peut-être et qu'on y a la Nike qui vient demander pour faire travail, probablement des Nike même pour y aller dans l'autre business là. Donc c'est ça, OK? Et donc faut assurer que client qu'a changé un petit peu par rapport avec compte de voilà. Donc c'est ça et business lié, OK? Très bien. Maintenant, et combien de temps durera votre prestation? Ça veut dire prestation quoi faire, combien de temps que la durée dure 3 heures de temps, bien sûr. Et puis, bien évaluer votre offre de service. Ça veut dire que assurez-vous que, OK, m'a fait 3 heures de temps pour 300 dollars. Si j'ai besoin 100 dollars de, et comme si, pour m'assurer que gaz là bon, assistant pour me payer, etc., m'a dit 400 dollars. M'assurer que 400 dollars, ça a fait travail là. Normalement, des clients encore après, ils me disent, ah, et il te manquait, oui, il faut t'ajouter sur lui, ou bien quel que soit le problème là. Donc, assure que 400 dollars a fait travail là. Un exemple que moi, le bail, OK? Excuse-moi, un second. Très bien, moi, le bail, un exemple. Et. Ouais, bah, non, exemple, si un client contacté ou qui j'ai peut-être ou t'es qu'à parler avec client, écoute client pour dire bon, écoute, et parce que le plus souvent, client qui ça vous fait, il m'a dit, combien quoi vous faites telle photo? Et combien quoi vous faites anniversaire, photo anniversaire ou bien
Et il y a tel anniversaire, telle date, et il y a besoin de faire photo, comme et comme. C'est ça que je m'en dois. Ou même si vous faites, ouais, je dis client, 200 dollars, 300 dollars, 600 dollars, et client, je vais aller. Si il n'y a pas bon pour lui. Mais si vous prenez le soin, vous prenez un petit temps pour que vous expliquiez client. Bon, écoutez, et prime, c'est 300 dollars. Maintenant, 300 dollars, mais qui m'a fait travail là. M'a bien 2 heures de temps de travail. M'a bien assistance ma même. M'a bon maquillage. La période, ça que m'a fait là. M'a fini faire photo pour vous. M'a promettre 15 photos. M'a retouché 10 là-dedans. Après ça, m'a imprimé 100 photos pour vous. Là, vous expliquez client comment le travail a passé. Parce que si vous avez pris un pour lui, oh, 600 dollars, vous qui ça là? Il pas connaît qu'on peut le toucher photo. Il pas connaît qu'on peut l'imprimer là pour lui. Il pas connaît quoi bon assistant. Donc, il faut assurer que vous expliquez client travail ou à qui ça vient la donne. Très important. Ça, c'est juste un exemple que je te donne. Ensuite, dans le même exemple ça que je là, ça veut dire que le client écrit un email ou bien il écrit sur Instagram, il dit un mot et puis il dit comment faire photo pour vous expliquer au détail qui genre session à passer. Donc, dans la même réponse ça, qui ça client est en juin? Il joue tarif là. Il joue photographe là, le sérieux, il connaît boulot là. Ça veut dire pas le film fait photo et puis ça m'a fait. OK? Il connaît très bien que vous maîtrisez le travail qu'on va faire. Client, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas d'appréhension. Client, il est détendu. Ça veut dire qu'il comprend ce qu'on va faire. Et comme si vous voulez l'ingénieur et puis l'ingénieur dit, et vous demandez l'ingénieur, quoi qu'on va faire tel cas moi? Et puis l'ingénieur va dire, ah, 25 000 dollars. Non. Faut ingénieur dit, bon, là, ma fait chambre, on a bien 4 chambres, on a bien ça, on a bien ça, on a bien un bassin derrière là qui pourrait d'eau, on a bien d'eau qu'à la soupe, je mets le panneau solaire sur lui. Là, au moins, client, comme s'il sentit en confiance avec ça qu'on a dit là. Donc là, il a beaucoup plus fort confiance pour les bons faire job là. N'est pas juste répondre client, 300 dollars, 600 dollars et pour finir. Client comprend le service là et ainsi tarif là. Et ensuite, le client est au courant de tous les détails. Ça veut dire qu'il comprend très bien que lorsqu'il fait photo, vous pouvez retoucher l'après. Et client sait que vous êtes une personne ouverte et abordable quand vous n'hésitez à vous contacter dès qu'il y a des questions. Donc, si le client a un problème, il ne va pas comprendre. Il va toujours checker pour lui. Est-ce que, et, ou qu'a expliqué une telle bagaille que vous voulez ensemble avec vous. Comment est-ce que vous pouvez faire une photo? Donc, il faut qu'on assure que client senti que, hey, m'ka texte ou m'ka relo, m'a l'aise si m'a. Parce que ça gagne dans le métier, ça. C'est pas comme si c'est ou pas bon business, ou pas bon compagnie, côté que, et ou bon, c'est vrai, ou a bien un secrétaire, ou a bon le bagage, mais l'autre pas fait job là, c'est ou cap là. L'autre compagnie, peut-être, une compagnie pest control, ou bien quelqu'un sur la compagnie, directeur a pas là. Et pas directeur de venir faire job là. OK? C'est employeur de venir faire job là. Maintenant, photographie, c'est où que marque là, c'est où que job là, c'est où que directeur. Donc, c'est où déplacer à faire photo. Donc, image ça, faut que nous avons une bonne image de lui. C'est pas même genre avec une entreprise que, bah, elle a pas mal fait et puis elle a plagué chala sur peut-être employé qui mal prend, mais directeur a les montages j'en sorti, bien sûr, directeur coupable tout, mais directeur n'est pas libre de déplacer. Maintenant, photographie, c'est où de déplacer. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. C'est important. Il faut nous comprendre ça. Ou pas satisfaire tout le monde. Désolé. Bon client quand même, qui peut être fâché, qui peut pas d'accord avec le travail qu'on a là, qui parle, mais j'en fais là, etc. Donc, il faut assurer au même qu'on a géré client ça. Faut assurer au même que le client a demandé bagaille, a demandé information, a demandé un paquet de bagaille. Donc, le travail a fini fait et puis il a demandé un paquet de bagages. Donc, il faut assurer que toujours bon client, sous 200 clients, on a bon client quand même qui a fâché avant. Ou bien on va être passé, ou bien ou même qui font un erreur, on va quelconque. Donc, il faut qu'on compte qui j'en connais pour gérer le client ça. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Le client en demande trop. Le client se trouve et le client trouve que vos prestations sont trop chères. On ne peut pas dire client, eh bien, tu connais l'autre monde. Non, on ne peut pas dire ça. Il faut assurer que on parle à client normalement, on dit client, bon, écoute, et je comprends que ça sonne un petit peu cher. Voilà pour qui ça est cher. C'est parce que tel bagaille, moi, j'ai touché tel gens, telle façon, moi, fait tel bagaille, etc. Donc, il faut assurer qu'on dit client, bon, il est cher par rapport à tel bagaille.
Vous n'avez pas le matériel nécessaire. Client peut-être et abandonne le travail, mais travail m'a dit là, ou pas le matériel là nécessaire pour faire. Bon, si tu as laissé faire, il dit pas le passé, donc il faut la pour client fâché. Donc elle fâché, le cas, client bon gens pour gérer pour que bah la pas gâté, OK? Donc faut assurer que ou gérer client bien pour que ou pas aucune altercation ça avec client parce que c'est lui même qui parle bon 1 2 3 4 autres monde. Chaque client, il y a un 5 monde quand même qui accompagne yo que yo ka référer. Donc si par exemple ou gagne un client qu'on fait photo pour lui, il gagne maman, il gagne seul, il gagne papa, il gagne cousine, il gagne ami, il gagne best friend, il gagne ménage que le ka référer pour faire photo pour lui. Pour faire photo pour l'autre monde. Donc, assurez-vous que ou bien gérer le client. Et n'essayez pas à tout prix de faire la prestation. Si vous connaissez que, comme là, pas suffit, et matériel qui est adéquat pas là, pour faire travail là, et etc., pas faire prestation, bye vague. Vous comprenez pour qui ça? Et pour qui ça? En évitant une mauvaise prestation, votre réputation en sortira gagnante. Les clients contactent les jours, OK. Je voulais faire tel travail, bah, etc. Et comme et comme, on dit le temps. Oh, comme et pour toi cher. OK. Les pour toi cher, ils disent, est-ce qu'on a tel matériel ou un drone? On dit non, et m'a besoin d'un drone. On va même et piloter drone là même. OK, on a besoin d'un drone, etc. L'arrivée, drone n'a mal passé. On va bien prendre l'argent, on suppose faire la client fâché, etc. Ou bien, depuis avant, lorsqu'on est que client. Mandons comme, li mandons un paquet de bagages, ou connaît que, ou pas gagné assez matériel, ou pas gagné assez bagages, pour faire travailler ça, pas faire. Parce que les clients, ouais, que, oh, monsieur dit, oh, ok, monsieur respectable, monsieur pas fait travail là, comme là, pas suffit, ou bien, comme dit, client, et ouais, que, ou pour trop cher, dis-moi 200 dollars, et puis, ou pas d'accord, ou est appris, ou etc., là, ou ça, tu es à l'aise dans le Et ça qui est important dans le travail qu'on va faire, dans quel que soit le travail qu'on va faire, il faut toujours se sentir bien dans pour que l'on au monde dehors, l'on au monde de l'autre côté, pour pas baisser tête devant parce que tu es mal fait travail. Adaptez votre offre à votre environnement. Vous ne pourrez pas faire le même travail sur la région dans laquelle vous habitez. Exemple, le milieu influence votre travail. Nous ne pouvons pas être nous mentir. Nous ne pouvons pas être nous mentir. Quel que soit côté OEA, la préférence du travail. Ouah. Ça veut dire, quitte c'est ou son photographe de mode, fashion, quelque chose soit là, et au Paris, au New York, etc., ou pas beaucoup plus aller vers mode, fashion, bah, ça. On a peut-être un autre côté qui vient et un peu professionnel corporate, ça veut dire professionnel, business, etc., ou pas peut-être rentrer dans des choses commerciales. Et corporate, faire des choses pour des entreprises, pour des professionnels en entreprise. Donc, ça a influencé le travail. Ouais. Style de vie a influencé le travail, ouais, toujours. Personne que vous côtoyez influence le travail. Ouais. Ça veut dire, monde qui parle, etc. Et ça a fait que, hey, vous êtes un photographe nature, vous êtes un photographe commercial. Ça arrivait parce que quand on était sur le maintenant, et c'était plus nature qui était gagné, ou tomber qu'on a peut-être capital exemple, et puis là maintenant, ouais, c'est business qui a marché, etc. Donc, on va l'obliger à être peut-être dans le commercial. C'est business lié, c'est quoi vous devez faire pour survivre. C'est même avec tout votre business lié. Partez où est votre petit village. Donc, exemple, je vais vous donner un exemple. Sous son photographe qui ramène mode, qui ramène fashion, vous connaissez très bien que. Et Central Fashion là, mode là, et New York, Paris, etc. London, etc. Donc, il faut assurer que peut-être vous allez, vous voyagez, vous allez faire 2 3 années dans l'espace, pour assurer que vous joignez des gens qui adéquats qui pour compléter le travail, c'est-à-dire styliste, maquilleur, etc., quel que soit le monde que vous voulez, donc pour compléter le travail, pour avancer là-dedans. Donc, si que vous connaissez un photographe de mode, et puis quand vous n'avez pas une personne modèle, pas aucun maquilleur, maquilleuse, maquilleur, pas aucun styliste, n'est-ce pas ça, soit fait là. Là, pas pour aller côté que vous connaissez que vous avez besoin de monde qui pour aider ou compléter le travail. Ouais. Très bien. Faites-vous connaître. C'est important. Je vous dis tout à l'heure et je vous dis encore. Photographe, votre marque, c'est vous. Photographe, votre marque, c'est vous. Je vous dis encore. Au pas un building, côté que, et avant,
client jeune avocat, il jeune 10 monde déjà. Et travail que client a besoin, c'est au poil faire. Donc, faut assurer que, un, ou bien habillé, deux, ou gagner toutes normes nécessaires pour que vous parlez devant le monde. OK? Bien présenté ou, OK? Trois, ou qu'on parle, ou communiquer avec le monde. OK? Donc, faut assurer que tout ça, ou gagner ou la caillou. Ou bien, ou ne doit pas gagner naturellement la caillou, mais ou développer, ou obligé de développer. Ou. Parce que c'est ça qui a fait succès dans le métier. Travail quoi faire, pas grand building, pas grand bagage que y a besoin de 20 mon avoir rejoindre. C'est vous-même directement qui a besoin de faire le job là. Donc, si vous pas assuré que tête ou gens y est, ou bien présenté travail quoi faire, vous n'avez pas prêté ensemble à vous, vous n'avez pas travaillé ensemble à vous. Ou pas qu'on parle à vous, ou pas qu'on exprime, ou n'avez facile, etc. Donc, vous n'avez pas grand raison pour travailler ensemble avec vous. OK? Peut-être que sous tes grands business pass control, par exemple, et employé que vous voyez, t'es qu'à peut-être, par contre, parler, c'est vrai, mais au cas du client, ah, écoutez, ok, je vais envoyer un autre employé, ah, ça occupe, et puis mon ami, c'est comprendre. Mais là, maintenant, laissez vous-même, déjà, par contre, parler, déjà, pas qu'à exprimer, ou déjà, fait client, par contre, quelle raison pour le parce que, là, l'employé a nos business pass control, par exemple, il connaît que le directeur ne doit pas faire ça, c'est employé à faire ça. Mais laissez vous-même, même, qui met business là, qui compte ça. S'arrêter après aller ok donc photographe votre marque c'est vous et pour finir foncez on pas gagner de temps pour perdre pour réfléchir dans le métier toujours parce que hey par contre ça me fait etc foncez n'y pas marcher que choisir notre métier dans pile dans nous qui peut-être déjà photographe ça qui arrive que et dans 3 ans, on n'est pas photographe. Nous, j'ai une autre bagaille qui est beaucoup plus passionnée, nous, que nous plus aimer. Donc, si ça fait que, il est important pour que travail qu'on va faire ou passionné de lui. Pour qu'il soit de passionné de lui, parce que c'est lui-même qui a prêté comme, c'est lui qui a boussolé, c'est lui qui a stimulé, c'est lui qui a bon motivation pour avancer demain. C'est lui qui a fait que, ou quitter Boy Citlan, ou aller juste Jérémy à 4 heures du matin pour aller faire un travail. C'est lui qui a fait que, ou lever à 6 heures du matin et ou attendre soir la lever. Vous levez à 3 h du matin, vous obtenez sur la levée, vous obtenez 6 h, 7 h, 5 h pour un coucher de soleil, ou obtenez que machine ou pas dans sa voie. Donc, si vous parlez, mais soit faire, si vous n'avez pas de passion pour lui, c'est pas grave. C'est lui-même qui peut mener plus loin que quand vous êtes capable. Donc, assurez-vous que vous avez passion pour soi faire et que le travail ou apprécié, ou avance ensemble avec lui. Et dernier conseil que m'a donné monsieur photographe qui déjà photographie et peut-être même qui va dans la photographie, assurez-vous que nous à l'école, nous apprenons question photographie. Il y a plusieurs écoles photographiques qui sont en Haïti, il y a plusieurs workshops que monsieur qu'on a bail, OK? Donc, assurez-vous que au moins vous participez dans le workshop ça, ou suivez, ou comprenez le travail là, ou pas juste rentrer, ou pas juste une femme qui a une caméra, il voit et bas où, et puis, that's it, c'est bon. Donc, assurez-vous que le travail qu'on va faire, ou exceller la dernière, ou apprendre, ou connaître bien, et ou qu'il y a un autre photographe qui a peut-être, et assurez-vous qu'on a un mentor aussi. Un mentor très important dans le métier qu'on va faire. Parce que c'est lui qui a dirigé, c'est lui qui a fait que, et ouais, que le t'es fait lui-même, il n'est pas quitté au fait. Assure qu'on joue un mentor. Donc, allez à l'école, allez dans l'école de photographie, assure qu'on joue un mentor, et puis voilà, métier à vous. Merci. Donc, Angie? Merci, Jameson. C'est Sandra qui l'a. C'était une super présentation. Et l'année dernière, nous avons eu une chance et fait ça, j'en t'ai dit en ville au Cap et année ça, on a fait live en direct. Et c'est vraiment un plaisir pour nous capables d'entendre l'expérience et tout conseil ça que vous pouvez par les jeunes qui soient déjà dans et photographie ou qui intéressés à apprendre la photographie comme yon carrière. C'est très, très, très important. Et encore une fois, merci pour tant ou. Et n'a dit tout le monde prend le soin pour nous follow Jameson Termitus et pour nous capables suivre tout le travail li et comme ça nous capables utiliser le service et apprendre beaucoup plus de li directement. Merci Jameson une fois de plus. Merci à toi Sadia. Bye bye. Bye bye.